Et hi les amis, bien bonjour à tous, ici YoYoTuber. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Jurassic World à Live. On continue notre aventure sur ce jeu totalement génialissime avec ce magnifique Titanoboa qui va démonter tout le monde et que je vais mettre dans mon équipe. Ouais. À la place de qui je ne sais pas, il fait 395 dégâts, c'est pas mal mais c'est pas vraiment oufissime. Mais après c'est pas ça qui compte. Aussi bien sûr j'ai avancé énormément hors caméra mais j'ai pas créé les dinos, ne vous inquiétez pas. La nouvelle mise à jour est sortie, donc il y a le gigano de Jurassic World Dominion qui va sortir dans très peu de temps dans Jurassic World Alive. Donc voilà, génial. Finalement, je ne vais pas le mettre dans mon équipe parce qu'il n'est pas super super. Ah oui, les dinos. On aura quoi, à votre avis? Oh, j'ai pas regardé. Ok, alors, on aura de l'ADN de Carnot, un truc épique. Ouah, c'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Concavenator, je sais pas quoi, chelou. Ça, c'est un lion marsupial, c'est celui qui est hyper cheaté, là. Ça, c'est, bah, ça. Ensuite, du coup, on va juste récupérer les dinos. Et après, on va se faire, les fights de d'habitude. Dans la campagne. Donc, on va déjà récupérer cette espèce de T-Rex. Je crois que c'est un albertosaure. Si je me trompe pas. C'est ça, albertosaurus. Et voilà l'Albertosaurus qui fait plaisir. Donc, il est stylé, on va pas se le cacher. 659 dégâts. Il fait super mal. Oh, 659. Ok, toi tu vas aller dans mon équipe direct. Oh, 600. Oh là là. Et je crois qu'il fait encore plus mal que mon T-Rex, non? Je crois pas, non. Waouh, 659, c'est quoi ce machin? C'est une machine de guerre. Donc on va le modifier. On va le mettre à la place du Térésinosaure. Donc, comment on fait? Voilà, comme ça. Il est où? Il est là, voilà. Et on la met à la place. Confirmé, voilà. Bonjour mon pote. Ensuite on va créer cette espèce de dromadaire bizarre là. Dromadaire paresseux chelou. Qui s'appelle le Megalonyx. Ok. Ouais, on dirait vraiment un paresseux. Il fait mal. Ouais, il fait mal lui aussi, mais c'est pas l'Albertosaure quoi. Ça vaut pas. Alors. Wesh, ça bouge. Comment je l'ai mis en pause? C'est trop drôle. Il a 103 de vitesse, ça c'est déjà bien. Ensuite, le Porcosuchus, si je me souviens bien. C'est ça. Oh non, Purusosaurus, ça n'a aucun rapport avec Porcosuchus. Voilà, donc ses dégâts, il fait... Ouais, ça va. 111 de vitesse, c'est bien. Ouais, c'est bien. J'y vais. Ensuite, les autres là, les trois autres là, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, dans le mot, il y a solitaire. Mais il est pas solitaire vu qu'ils sont trois. C'est ça qui est un peu bizarre. Purusosaurus. Ah non, Purusaurus. Purusaurus. Voilà, il est pur. Ensuite, nous avons les Rodrigues solitaires, mais je sais pas pourquoi on dit solitaire. Peut-être qu'à la base, ils devaient être solitaires. Bonjour. Ouah, c'est trop stylé leur animation. Ouah, meilleure animation. Non, pas du tout, en fait. Hein. Ils sont éclatés. Alors, ensuite, on a direction les combats. Hein. Galaxien le combat, on va essayer le Titanoboa dans ce combat là. Alors, donc on va mettre Ok, je suis obligé d'en mettre un. Donc, on va mettre le Megalonyx. Ah, mais non, j'avais mon hybride. Et on va mettre
Le Titanoboa Gen 2, il est blanc, il est stylé. Voilà. On va se battre. J'ai dans la zone, hein, et il pleut et tout, c'est trop stylé. SOS 40 d'un, je sais pas quoi. Voilà. On va direct mettre le Titanoboa. Wow, wow. Wouah, il est trop... Oh non. Mais non, tu décolles. Tu décolles. C'est quoi ça? Impact brisant. Wesh, il a enlevé pas mal de PV. Hein. Il a l'air d'être fort, par contre. Il a pas... Ah ouais, il a pas de PV. Carnage précis. Par contre, il est super rapide hein, pour attaquer. Il a une rapidité très bien. Ouais, moi aussi, il se battait contre un hybride. Comment il pourrait gagner contre un hybride? Tu m'expliques quoi faire ça? Donc, il échange. Moi, je vais faire un sens ici. Anti-remplacement. Hop là, voilà. Donc, je fais ça. Là, il va m'attaquer. Contre-attaque. Mais c'est que moi aussi, je vais lui faire une contre-attaque. Ah non. C'est ce qu'on va faire. On va se régénérer. Ouais, il fait la même chose. Voilà. Ensuite, on va lui faire. Il fait ça, lui. Je vais faire une contre-attaque plus une attaque féroce. C'est voilà. C'était la vengeance. T'as tué mon titano. Vite, défense courte. Oh non. Ouah. Un peu de purifiant, je suis mort. On va réessayer avec le Titanoboa, sauf qu'avant on va balancer l'hybride en premier. Moi aussi je connais pas les attaques du Titanoboa, je sais même pas ce qu'elles font. Mais je crois que je vais mettre le bouclier là. Je vais faire la même chose mais en mettant le bouclier dès le début. Avec le Titanoboa. Let's go. Donc on a la même équipe. Ça c'est bien. SOS Arcadia. Battez deux créatures. Titanoboa VS l'hybride. Qui va gagner? Fight! Hop là. Oh non, c'est vrai, il a la contre-attaque le brise-bouclier. Il va me faire une frappe féroce. Carnage précis. Toi, carnage précis. Oui, on l'a fait tout à l'heure. Ah, mais. Ah! L'hybride! Oh là là, l'hybride, il est trop fort, l'hybride. Toi, je vais pas chercher, je vais faire une méga attaque. D'abord, je vais faire défense courte. Contre-attaque anti-bouclier. Oh non! Il va me faire une contre-attaque anti-bouclier. Mais... mais d'où? Je m'en fous, je remets le Titanobo. Cette fois, je le balance pas en premier. On va refaire, on va entrer dans le combat. Et je vais faire la même équipe. Et cette fois, je le balancerai pas en premier, je te le dirai. Ok, hybride. Contre hybride. Moi, il y a une contre-attaque. Ouah, ça a bugué. Je vais faire une frappe féroce. J'ai même pas vu c'était quoi son prochain dino. Ah, moi aussi j'aurais dû faire ça. J'aurais dû faire guérison. Là, je suis mort. Il va me contre-attaque, je suis mort. J'étais sûr. Il y a peut-être une petite anoboa pour le gérer.
Ah, pas de pouce. Là. Pas de taux critique, ça c'est dommage. On va faire une contre-attaque. On met pas le bouclier, surtout pas. Hop là. Oh non. J'espère par contre que là j'ai tué. Carnage précis. Oui. C'est un bois qui a tué. Ah non, il y a le carnage. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de lui. Vite. Je suis mort. Ouais, je suis mort. Qu'est-ce qu'il a fait là? J'ai pas compris. Bon, je vais virer le titanobois. Il est pas très fort contre les hybrides et contre les dinos rares. Je pense que le titanobois, il serait fort en soutien. Là, c'est mon Pursuscus qui est pas fort, hein. Ça se trouve, hein. Bah, je vais changer juste le Pursuscus. Enfin, Pursuscus, Spirolytti, je sais pas quoi. Je vais mettre le Carnotaur. Carnot, Titanoboa. Et on essaie de trouver un duo bien avec le Titanoboa. Battez deux créatures, c'est parti. Le Carnot en premier. Faire directement une frappe terrifiante, hein, direct. Et ouais, mon gars, moi aussi j'ai une contre-attaque. J'ai pas de purification. Ok, dommage. Oui, la guérison, au chanceux. C'est une contre-attaque. On se tire le titan au bois. Le problème, c'est pas le titanoboa, là c'est le juste. Oh yes, contre le con. J'ai augmentation. Je sais pas ce qu'il a fait, mon titanoboa. Ah non, je crois que quand quelqu'un veut s'enfuir, il est obligé de pas s'enfuir. Du coup, je le fais super mal après. Là par exemple, mes dégâts, c'est que des coups critiques. Oh, il est. Ouais, je redire ce qu'il a dit. Hein. Je redire ce que j'ai dit en fait. Il a l'air pas mal le titanoboa. Bon, il est dur à jouer par contre. La contre-attaque, c'est énervant. Défense courte, ça va. Ah ben non, ça va pas en fait. Mais arrête avec tes guérisons. Mais il va m'avoir là. Ouais, c'était sûr, il va me faire une contre-attaque. Par contre, je l'ai tué son Carnot. Au pire, j'ai une idée. Je vais essayer de faire fuir son dino avec un autre dino que mon hybride. Et que le Carnot aussi. Au pire, vous savez ce qu'on va faire? On va tester la puissance des titanobois dans l'autre truc. Avant, on va faire juste ça. Et on va faire. Non, vous savez ce qu'on va faire. On va jouer tactique. On va prendre le titanoboa. Ici, on va prendre quelque chose. Je pense que ça va bien aller avec le titanoboa. C'est ce dino-là. Parce qu'il sait ce gène. Et ça va être bien. On balance le titanoboa. On affaiblit tout le monde. Et voilà. On essaie de le faire fuir. On balance que des fortes attaques. Donc. Le titanoboa, let's go. Allez, mon pote, gagne, s'il te plaît. Non, c'est le carnot. Pas trop précis. Pas trop précis. Ok. Carnage précis. Wouah! Je réfléchis pas. Là, obligé, il change. Obligé. Il change pas, je comprends pas. Bon. Mon titanoboa, ouais, mon titanoboa, c'est plus soutien. Là, il change. On m'en doutait. Non, mais là, maintenant, je peux pas le faire battre gêne.
Il est chaud, mais je voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va se mettre à compter. J'aimerais bien. Ah ouais, j'aimerais bien. Donc, t'as tenace? Augmentation de la tête? Ouais, mais avant, j'aimerais bien abri. C'est moi qui attaque parce que ma vitesse a énormément augmenté. Non, je peux faire guérison. Ouais, je dois faire guérison. Mettre un double hybride. Voilà. Détonant bois stylé, mais pas au fond combat. C'est le problème. Après, on va mettre cet hybride là. On va mettre l'autre hybride. Je parle pas de lui. Je parle de lui. Et là, on va les défoncer. Normalement. SOS Arcadia. Arcadia. Ou Arcadia, je sais pas. On va mettre lui en premier. Chatato. Chelou. Chelou, c'est nous. On va faire ça direct. Diversion inattendée, je sais pas quoi. Dégâts réduits, ça se coule. Il fait guérison, je sais pas pourquoi, elle est bête. Pas besoin de te guérir, mon gars. Là, vu que t'es guéri, maintenant je peux te faire ça. Là, la blessure mortelle, dégâts répétés. Contre-attaque, c'est ton vie. Oh, mais du coup, je viens de contre-attaque tout le temps. Ah, les dégâts répétés, ça prend pas compte. Comment je suis en train de le réduire, c'est... En vrai, c'est cool parce que là, je le réduis ses dégâts. Jusqu'à qu'il soit mort, en fait. Donc en vrai, il pourrait rien me faire. Voilà. Et après, je le termine. Ah ouais, lui. En fait, j'ai une idée avec lui. Je réduis ses dégâts au maximum. Comme ça, il me fait zéro dégâts au bout d'un moment. Et après, voilà quoi. Déjà, lui, je vais lui réduire ses dégâts parce qu'il va me faire trop mal. Voilà. Oh non, il s'est purifié, ça veut dire l'effet a été enlevé. Blessure mortelle. Une contre-attaque. Dégâts répétés. Hop là. Je crois que j'avais perdu parce que ça bougeait plus. Mais non, il me reste encore lui. Donc, ensuite. Hop, voilà, il meurt. Et du coup, avec les dégâts répétés, normalement, il va mourir. Ah, mais non, mais je le contre-attaque. Du coup, ça sert à rien. Yes, on a enfin gagné ce round. Donc on a de l'ADN pour le dino, pour le Carnot que j'ai amélioré, et pour un dino épique. Mais si j'ai 50 d'ADN pour le dino épique, ça veut dire que là je l'ai. Oh non, parce que c'est 150 pour un dino épique. Ah, j'en avais déjà un peu. Ah oui, je savais pas. On va aller là-bas.
Après, c'est un autre bois, je ne l'ai pas amélioré. Donc. Ah si, je l'ai amélioré une fois, mais pour qu'il soit fort, faut au moins deux fois, ça serait bien. Comme ça, je pourrais avoir son hybride. On va améliorer le Carnot. Un meilleur encore. Quoi? Il me faut un Carnot pour avoir le Scorpius Rex Gen 2. Sérieux? De quoi? Scorpius Rex Gen 2, oui, il me faut un Monolophosaurus. Niveau 10, il y a un Carnot niveau 10, donc le Monolophosaurus, oui, je l'ai. Ok, je l'ai, il est niveau 3. Yes, ensuite il y a le Monolétréodon. Il faut avoir un 10 mètres d'eau et un Monolophosaurus, ça peut se faire. En plus, il... ouais, je suis légendaire. Oh, je vais faire un petit tour des lieux. Plus rien. Help. Oh, comment ça lag? On avait dû y avoir un gros dino juste à côté. Ça lag comme ça là. Oh là là. Okay. Oh, il y en a un. Oh, et on peut l'avoir en plus. Allez, let's go, on va tenter le coup, les amis. Ok, conseil, allez dans les paramètres pour modifier votre style de drone. Ah ouais, trop bien, on va faire ça la prochaine vidéo. Allez, voilà mon petit... Faut lui mettre un 11. Mais il y a un 11. Yes. Un autre 11. Yes. Un autre 11. Un autre 11, vite. Attends, je l'ai. Je sais pas si je l'ai. Allez, je stresse. Faites que... Allez, 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 allez. Pardon. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez. Ouais. Ok, on l'a, les amis! Ok, les amis, on va le créer. On va le créer, mais tout de suite. On a un autre dino rare, et ça, c'est déjà super bien. Ouais, yes. On va bien voir combien il fait de dégâts, il est rare. Donc normalement, je crois que là j'ai plus beaucoup de dinos communs à avoir. Je crois que je les ai à peu près tous. Maintenant, il ne manque plus que les dinos rares, épiques, légendaires et uniques à avoir. Bon, les uniques, on verra ça une autre fois. Parce que unique, quand même, il faut quand même 250 pour avoir un unique. 250 d'ADN. Du coup, vous vous rendez compte. Faut au moins farmer 10 uniques ou même plus. 30. Si t'es nul. Ou alors 20 si t'es fort. Ou alors 10 si t'es un gros BG. Ou alors 1 si vraiment t'es un malade. Voilà. Ou tu joues au jeu toute la journée et tout. Arcotus. Arctodus. Pourquoi j'ai du mal à... Ok, fait du 471. Donc... C'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo en ma compagnie. N'hésitez pas à lâcher un max de likes, à vous abonner. C'était YouYou, tubeur plutôt. Bonne journée.